Hey, salut, je me présente, Mino le beau gosse. Oh my god, j'en ferai bien mon 4 heures. Oh, trop de sexe attitude en moi. Et ouais, je suis en BG. Ouais, il sait très bien, il nous le rappelle à 24 d'ailleurs. Attendez, je reviens à la charge, salut Mino. Oh là là, elle peut pas se passer de moi. Elle a eu un coup de foudre. Viens dans ma chambre ce soir. Oh mais ça sera avec plaisir, je vais me faire plaisir moi. À ton service. Donc on se dit à 23h? Eh le mec, ce soir, il y avait une meuf, elle arrêtait pas de me coller. Parle de moi? Je vais faire une séance de pudding ce soir. Non mais attends, t'es sérieux là? Bah oui. Donc ce soir, vous pourrez entendre quand on va bien applaudir dans la chambre, ça va claquer. Ah oh mais, y'a quelqu'un? Non mais wesh, c'est pas possible. Sur cette feuille, c'est écrit que j'ai réservé la chambre et que vous n'avez pas le droit d'écouter pendant qu'on fait notre séance de pudding. Ah non, on peut vraiment pas écouter. Bah non. Non mais c'est quoi cette clause de merde? Je voulais en faire profiter les copains, moi. Mais t'es sérieuse? Ah mais je vous jure que je savais pas avant qu'elle me dise qu'on fasse une séance de pudding. Non mais espèce de pervers! On n'a pas un truc de prévu ce soir? Ouais mais je veux pas qu'ils entendent. Oh. Au fait, je viens de me rappeler que j'ai même pas ton numéro. Pourquoi tu veux pas qu'ils entendent? Peut-être parce que c'est quelque chose de super privé. Tu comprends pas, c'est juste pour me la péter auprès d'eux. Alors si tu veux te la péter, alors pète tout seul, mais ne m'embarque pas là-dedans. Mais t'es tellement sexy que j'ai envie de te toucher. T'as faim à ce point? Oui, j'ai vraiment la dalle. Ce soir, ça va faire paf. Et si je le disais à tout le monde? Hein? Quoi? Mais t'es malade, c'est privé. Mais non, c'est pour me la péter. Je vais faire une séance de pudding avec Mino. Et ouais, c'est lui. Non mais pourquoi je suis sur un site chelou de gens qui dorment? Moi j'adore ce site, j'y vais souvent. En plus je suis sûre qu'ils ont vu que je bave quand je dors. Bah, moi je trouve ça super mignon. Moi aussi je bave dans mon sommeil. Eh mais attends, comment t'as trouvé cette vidéo de moi? Faut bien que j'aille sur des sites pour m'aider à me pignouf le soir. Mais c'est dégueu. C'est pas dégueu, c'est naturel. Alors Mino, mange quoi ce soir? À part toi bien sûr qui sera mon dessert. Alors tu vas être contente, tu vas avoir deux desserts. Des chocolats. Je pourrais les manger sur toi. Bien sûr. Hop là, le chef Mino est dans la place. Philippe Etchebest, il peut aller se rhabiller. Même le matin, tu restes super belle. En fait, étant donné que tu sais super bien cuisiner, t'es même mieux qu'un plan cul. On pourrait même se marier. Pourquoi pas? Ouais. Et moi aussi, je sais super bien cuisiner. Bah là, tu fais juste de la bouillie pour les trois petits cochons. Ah bah d'accord. Non mais ça va, je rigole. Et puis ça sera utile quand on aura des gosses pour leur faire bouffer de la purée. Bah tiens, mon gros bébé, vas-y, mange ma purée. Oh. Nos gosses vont adorer. Mino! Eh ouais, je suis sectaire. Allez, viens, on va faire une séance de pudding dans les buissons. Non mais t'as cru qu'on était dans les Sims? Bah ouais. Oh, t'es mignon, mais non, on n'est pas dans un jeu. Oh non, y'a quelqu'un qui arrive. S'il te plaît, fais-la partir. Je vais ken avec Mino. Bah c'est bien, mais je t'ai rien demandé. Bah c'est pour me la péter, tu vois. Et j'adore dire ça à des gens qui passent. Je le dis souvent à des inconnus, comme ça ils se disent. Oh, mais elle va se faire... Enfin voilà, bref, je vais me faire dépoussiérer la cheminée. Ouais, la cheminée. Ah, c'est caliente. Bah tu sais quoi, t'es pas la seule. Parce que moi, je vais me faire exploiter la mine ce soir. Ah, d'accord. Oh mais c'est vrai, tu vas me rejoindre là? Dans tes rêves. Eh bébé, regarde bien mes abdos. Oh mais Mino, je suis en train de manger mon petit déj. Ton vrai petit déj, il est ici. J'avoue, t'es meilleur que mes céréales. T'es plus craquant que tes Chocapic. Et hop là! Je suis... craquant. Allez, viens, qu'on s'embrasse. Hey, Q, réveille-toi! S'il te plaît, dis-moi! Ouais. T'as rien entendu hier soir? Non, rien. Pourquoi il aurait entendu? Ah, voyons, c'est évident quand même! J'ai juste entendu des gens applaudir, ce qui devait être content, à mon avis. Eh ben, on était même très contents. Et s'il te plaît, le dis à personne! Ouais, t'inquiète, je vais garder le secret. Ah bah tant mieux, je suis rassurée, on avait peur que t'avais entendu notre séance de pudding.
Vous avez fait une séance de pudding? Non. Oh, tu sais pas mentir. Attention les yeux, la bomba s'arrive. Je suis même plus sexy que la sexattitude elle-même. Oh my god. Mais elle est trop belle. Eh, hey, salut beauté. Tu parles de moi? Ah non, toi dégage. Oh, j'ai tellement de chance d'avoir une copine super sexy. Hé, hey, Kitty. Hé, hey, salut. T'as vu comment je suis trop sexy? Eh hey, man, faut trop que je te dise. Si tu verrais ma copine, c'est une beauté fatale. Tu veux que je tire les cartes pour toi? Ah ouais, pourquoi pas, comme ça je pourrais savoir mon avenir avec elle. Oh, regarde, ça veut dire un amour éternel. Oh, c'est vrai. Oh, oh. Oh, c'est trop mignon. Oui, je suis trop contente. Ouais, trop cool. Ah, je tombe. Oh non, je voulais des étincelles dans ma vie, mais passe-toi. Oh non, ma robe, y'a du feu. Y'a du feu, ça brûle. Oh non, mon amour. Ne t'en fais pas, ton super petit ami arrive! Attends, je vais éteindre la flamme. Enfin, je veux dire, la flamme qui te brûle la robe, hein, pas la flamme qui est entre nous. T'inquiète, le pompier sexy est là. Pouh. Et voilà, je suis ton super héros. Ah, merci. C'est mon sauveur le plus sexy au monde. Allez, salut. Bonnes vacances. On se retrouve dans l'avion, Kitty? Il veut dire dans l'avion pour me monter en l'air? Ouais, probablement. Eh mais... Oh eh mais wesh, qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit tout à l'heure avant de partir, rendez-vous dans l'avion. Ah d'accord, j'avais compris autre chose en fait. Ah ouais, y'a quoi? Ah Je viens avec toi pour voir ta famille. Ah mais c'est super ça, ils vont faire genre « Ah mais dis donc, ton copain il est super sexy !» Kitty, je voulais te dire que je t'aime. Je veux faire... ma vie... avec toi. Eh bah dis donc, ça c'est une déclaration. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. I can't handle it. I'm right. I think I fell in love with you. A little bit. Or a lot. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu mes petits skies. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse si Yuri et Kitty étaient en couple. Et maintenant on va voir si Bowser qui drague Peach était doublé. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis alors faites-le. Abonne-toi mon petit army.